Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero et je suis avec Sancho de Cuba que la Sancho pour la salsa. Yes. Yes, sir. On est là pour un autre unboxing. La parenthèse, Sancho, je tiens à m'excuser car ça fait quand même une belle petite éternité que je n'avais pas fait d'unboxing. En fait, oui, j'en avais fait, mais c'est les montages qui m'ont surpassé. Finalement, j'ai pas pu rattraper mon retard. Mon retard ne faisait que s'accroître. Et là, à un moment donné, j'ai eu des nouvelles. Vous le savez, je vais être père pour une deuxième fois. Donc, ça, l'été au Québec, le dégel, le jardin, oh mon Dieu, j'ai une maison. Donc, il y a eu du questionnement, il y a eu du retard, il y a eu plein de trucs. Mais bon, là, on revient sur la bonne voie. Je ne sais pas si je vais revenir aux unboxings que j'ai déjà filmés. Peut-être je vais repartir à zéro avec le mois de mai ou peut-être avril, on verra. Ou peut-être des box que je voulais vraiment vous montrer. Mais bon, aujourd'hui, on parle de la TMT Box, cabron. Oui, la TMT Box, celle de mai. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si je vais revenir. Je sais que j'ai 12 boxines qui traînent encore de novembre, décembre. Sous janvier, j'ai touché une seule boîte, mais bon, on verra, je dois qu'on revienne, vraiment. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez tous les voir, dans ce cas-là, on travaillera le montage. Sinon, on repart avec mai, avril, et on se rendra vers l'avant. Mais bon, TMT Box... Avec le thème de... Thème, non, hein? Ça ne joue pas que je sache. Mais c'est une box qui coûte 10$, 10$ américains. Plus le shipping qui revient à 8$ américains pour faire livrer au Québec. Donc pour 18$, on a une box que je considère pour enfants. Donc je l'avais eu 2-3 fois. Non, pas 3 fois, cabron. Donc 2 fois. Et c'est ça. Que le niveau ne montait pas. Donc j'ai arrêté. J'avais planifié de la recommander pour ma fête en janvier. Mais non. C'est bien sûr qu'une vingtaine de dollars américains, c'est pas tant que ça. Mais on préfère mettre ça ailleurs, sur une Lotaku par exemple. Ça fait... Mais là, ici, on m'a approché, savoir si ça m'intéressait de recevoir une dollar box, payer le shipping, nanana. Donc pour 8$. Et j'étais très curieux car qu'on m'approche pour une boîte comme ça, Wannabox l'a jamais fait. Donc, je me demandais, il y a eu du questionnement, mais j'ai vu ça dans ma boîte aux lettres, et là, j'étais encore plus curieux. C'est clairement pas une boîte, c'est des vêtements, c'est quelque chose qu'on porte. Donc, j'ai très hâte de voir ce que c'est et de pouvoir vous le montrer. Donc, ne tardons plus. On passe tout de suite à l'unboxing de la TMT Box du mois de mai. Voilà. Donc, voilà. Il n'y a plus rien. Si, une feuille. Oh, oui. Oh, c'est donc un hoodie aux couleurs. Ouais. Donc c'est un hoodie. Oh mon Dieu. C'est un hoodie. Voilà. À l'effigie du haut du corps des Tortues Ninja avec le capuchon vert. Et la bouche de Tortue Ninja et les 4 masques des Tortues Ninja. Juste la valeur du hoodie, ils te le disent, $35. Ils ont fait ça à 10 sur leur site. C'est incroyable. Voilà, donc tous les bandeaux.
Donatello, Raphaël, Leonardo, Michelangelo, et bien sûr moi. Moi, je prends Raphaël. Malheureusement, je ne peux apprécier sans mes lunettes. Oh yeah, cowabunga! Génial! Donc voilà, c'est ce que nous avons reçu. Et vraiment, je suis plus qu'heureux. Vu que les bardeaux sont sans feutre, c'est pas foufou. Mais ça, j'adore. En fait, à l'avant, il y a de la couture, c'est cousu. Les lignes noires, c'est du fil, donc ça, c'est très, très bien. Même ici, c'est une sorte de faux cuir. Donc, ça, c'est un cuir très, très mince. Ça m'étonnerait que ça dure longtemps, moins que d'en prendre vraiment très, très soin. Par contre, que le fait que ce soit du tissu aux alentours, ça le renforce un peu. Ici, c'est la même chose. Ouais. Donc, c'est un truc officiel. De Nicolas Déon. Mais à l'arrière, le fil est juste à la ceinture. Tout ça, c'est juste de l'imprimé. Mais ce n'est plus du faux cuir, c'est du vinyle. Donc, un peu comme les t-shirts que je fais dans les Romero Box. Donc ça devient un peu plus intéressant. Le faux cuir est juste ici. Encore une fois, renforcé par ce fil noir. Donc, très, très content par ça. Je suis... Oh, mon Dieu! En fan de Tortue Ninja, je ne pouvais pas rêver mieux. Je ne pouvais pas demander mieux. Ils viennent de prendre un pas de génie. J'ai dû annuler pour le prochain, je ne savais vraiment pas comment attendre ce mois-ci, donc... Ou peut-être renouveler, juste pour vraiment voir s'ils ont pris notre direction, s'ils reviennent à leur ancienne formule. Nous parlerons donc de la Romero Box. J'ai pris un petit peu de retard sur celle du mois de mai. Nous parlons la box Disney Villains. Donc pour ceux que ça intéresse... malheureusement, j'ai eu plus à débourser. Je m'attendais à avoir beaucoup de partenaires pour cette box-ci. Malheureusement, je n'ai eu que les deux qui me suivent habituellement. On parle d'Otaku Planet et Dollar à Print. Mais... Donc, ça va être une box où si vous voulez participer, il va falloir débourser. En fait, si vous voulez participer... et que débourser ne vous dérange pas, dites-moi là dans les commentaires, on verra combien est-ce qu'il y a qui sont intéressés, afin de ne pas trop vous charger, on va essayer de splitter, que ce soit équitable pour tout le monde, sûrement faire comme on a fait la dernière fois, pour nous alentour de 5 euros, 7 dollars canadiens, je sais que l'item bonus, le prix rendu exorbitant, mais même celui-là, on va essayer de le splitter dans ceux que ça intéresse. Donc, dans les commentaires, dites-moi si la box, Romero Box, vous intéresse à débourser pour pouvoir tirer. Bien sûr, ça sera une chance pour tout le monde. Pas de chance supplémentaire, entrée supplémentaire, ni rien de ça. Une chance pour chacun qui paiera une entrée. Bien sûr, dans ma tête, si on est quand même assez nombreux, qu'on tourne aux alentours de 10 ou plus, ça serait aux alentours de ça, à peu près 5 euros pour participer, 7 dollars pour l'entrée, et 10 euros si vous voulez l'article bonus, ou 14 dollars. Juste me dire dans les commentaires si ça serait quelque chose qui vous intéresse, ou non. Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse, et encore une fois, ben, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un pouce bleu, souscrivez-vous si c'est pas déjà fait, et... Encore une fois, ben moi, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine.